peau pour l'empêcher de revenir. On avait bien entendu un cri, il est perdu, pas du tout, vous voyez. Alors, il a des barrières dans le champ. À nouveau, il va se lever. C'est bien meilleur prix que ce que vous avez pu voir tout à l'heure. Vous avez l'impression qu'il se passait pas grand chose et que la vache elle sortait toute seule. Pas du tout. C'est Céline et son frère qui les ont fait sortir. Et maintenant, vous voyez le cheval, il travaille, il s'arrête, les rênes sont longues. Céline, elle fait sauf que regarder la vache. C'est-à-dire être en couple avec son cheval. On travaille la même chose. Et on a pas à monter sur les barrières. T'inquiète pas. Mais viens, d'ici, on voit mieux. Ouais. Allez, viens. Allez. C'est cool, je vais monter sur quoi? On ne peut pas aller chercher les ennuis. Un chapeau. Alors Alain, il prend des amis. On ne veut pas que les bêtes, on ne veut ni qu'elles maigrissent, ni qu'elles s'affolent, ni qu'elles se stressent, ni rien de tout ça. On travaille en droit pour des éleveurs et comme des éleveurs, c'est-à-dire... Voilà, celle-ci, elle veut forcer dans la barrière, on ne va pas aller chercher les histoires. On est là juste pour vous montrer quand ça se passe bien. On ne veut pas aller, bah, tant pis, on n'est pas en compétition. Alors, c'est vrai que c'est un sport qu'on pratique en compétition. Donc là, à ce moment-là, c'est comme en patinage artistique, on a un juge et il estime les qualités du cheval, c'est-à-dire son aptitude, vous voyez là, les règles. Le cheval est simplement content de copier le mouvement sur la bête. Juste, tu n'iras pas par là, ni par là, ni par là.